Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ici on tricote. Aujourd'hui, je vous présente ce nouveau point donc que j'ai appelé endroit ajouré. Regardez, il est superbe. Hop. Il s'étend bien, vous voyez. Il est vraiment très très joli. Il est ajouré mais je pense pas tant que ça. Donc avec ce point, vous pouvez faire pas mal de choses, hein. Tout, bonnet, écharpe, couverture, pull, gilet, veste, tout ce que vous voulez. Il est vraiment, vraiment très, très joli. Alors, très simple, vous allez voir, il est vraiment, vraiment très simple. Donc, c'est un multiple de 2 plus 2 lisières, tout simplement. Donc, moi, j'en ai fait 10 plus 2, 12. Et se fait sur 8 rangs. On va commencer, vous allez voir, rien de plus simple. Cette laine, vous la trouvez dans ma boutique, ici, on tricote. Alors, le premier, tout à l'endroit. Donc, rien de compliqué. Hein. Alors, quand vous tricotez, essayez de ne pas serrer, parce que plus vous serrez, c'est pas très joli un pull qui est serré. Alors, c'est pas toujours facile, hein. C'est comme ceux qui tricotent très très large, c'est pareil. Une envers, deux envers, pardon. Hop, on fait le deuxième à l'envers. Troisième, et bon, on fait à l'endroit. À l'envers, pardon, excusez-moi. Le troisième à l'envers aussi. Hop. Quatrième à l'endroit. Alors, cinquième, on va commencer le point. Vous faites la maille lisière et on fait un jeté. Donc, on commence. Hop, vous mettez autour et on va faire deux mailles ensemble. Vous voyez, à l'envers. Et on recommence. Un jeté, deux mailles envers ensemble. Un jeté, deux mailles envers ensemble. Et vous allez jusqu'au bout comme ça. Un jeté, deux mailles envers ensemble. Alors, n'oubliez pas le jeté, sinon vous êtes foutu. Un jeté et deux mailles envers ensemble. Et on finit par la maille lisière. Sixième, on fait tout à l'endroit. Quand on oublie un jeté, pour les débutantes, ça veut dire que ben, vous perdez une maille. Donc, il vous manque une maille. Et si vous la mettez n'importe où, eh ben, le point ne ressemble plus à rien. Et défaire, c'est pas toujours évident. On passe au septième. Maintenant, on va le faire dans le sens contraire. On fait la maille lisière. Vous voyez? Et on va faire deux mailles ensemble, un jeté, 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 deux mailles ensemble, et le jeté à ne pas oublier, et la maille lisière. Huitième, on fait tout à l'envers.
Et voilà, on a terminé le point. Je le trouve super joli, moi. Vous voyez? Hop, je vous fais voir l'autre. Et après, vous recommencez au premier rang. Donc voilà, ça c'est l'envers. Et là, il est joli, hein? Voilà. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un j'aime, abonnez-vous pour ne rien louper et cliquez sur la cloche pour être informé des dernières vidéos.